J'espère que la cérémonie pour le jour de n'a pas encore commencé. Ah oui, la cérémonie, très bien. Bon, on y va. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom. Oh là là, pour ce nouvel épisode de Spider-Man Marvel's Spider-Man sur PS4, hein, c'est l'exclusivité de l'année, hein, du moment, tout ça. Enfin, du moment, peut-être pas, parce que bon, j'ai un peu raté le moment, mais bref. Et donc, on va aller voir la fameuse cérémonie de l'agent de police Jefferson Davis, qui semble avoir un étrange fils qui s'appelle Miles. Miles, mais qui pourrait bien être ce Miles? Moi, je le sais. Est-ce que vous le savez? Surtout qu'on en a beaucoup entendu parler, vu qu'il y a eu un film qui est sorti autour de lui il y a quelques jours. Enfin, quelques jours avant Noël. Hop là. S'entraîne à protéger notre nation depuis plusieurs années. Et lui, il serait pas à la hauteur? Bien sûr que si, mais il était pas sur place, contrairement à Spider-Man. Pas faux. Que c'est ce qu'il voulait. Comme s'il allait partager la gloire avec quelqu'un d'autre. Bon, ça va, j'en ai marre d'enfoncer des portes ouvertes. Allez, on envoie la pub. Deux aspirines et un antiacide. Tout de suite. Vraiment? Oui, une zone verte. Voilà un pigeon. Ah. Ah. Viens là, petit pigeon. C'était un pigeon, simplement. Hop là. Je l'ai eu. Cette fois-ci, je l'ai eu très très vite. Parce que je suis trop balèze. Ok, on a une photo à prendre. Mon frère bossait pour Fisk. Après, il y a sans doute des gens très très bien qui bossaient pour Fisk aussi. Hein. Merde. Super. Hop là, pardon. Que je... Je peux? Merci. Hop là. Ça ressemble au bâtiment dans lequel il était au début, justement dans le film, dans le premier film Spider-Man de Sam Raimi. Pourquoi j'ai ce costume? Je l'avais remis? 10-31, cambriolage en cours. Incident en cours dans le secteur de Two Bridges. Oh, c'est étrange, on a l'impression qu'il est très très... Très très proche. Ouais. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Non. C'est ça que je voulais faire. Si. Appelé. Trophée scientifique. Ma coupe du prix scientifique Wilson Fisk. Et le chèque. Si je l'avais refusé, ça aurait éveillé les soupçons. Mais hors de question que j'accepte son argent. Bon, j'ai quand même accepté de recevoir des sacs à dos gratuits à vie. D'accord, il a reçu des sacs à dos gratuits à vie de la part de... D'accord, ok, très bien. Après tout, pourquoi pas? Ici, on a ce niveau-là, mais il me faut plus de genre de crime. Très bien, bon, c'est pas grave. Hop. Pourquoi j'avais remis ce costume, j'en rappelle plus. Tout ça a changé? Ouais, je sais plus. Bon, bref. Il y avait un crime juste à côté, mais non. Est-ce qu'on se met un autre costume pour la cinématique qui va suivre ou pas? Ou alors on considère que ça correspond plus ou moins à ce qu'il faut porter. Allez, vendu. Cinématique importante, normalement. Si j'ai suivi le bon déroulement de l'histoire. Vu que ils vont pas nous laisser un héros être montré à la télévision. Imagine. Voilà l'entrée de la scène. Et on sera juste devant. Je savais pas que Miles était allé à Midtown. Town, c'est l'université de Peter. La dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un C-. Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man, je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Eh bien. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien...
J'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça et résoudre cette énigme. Ouais. Eh bien, il est en mode. Il est en chien en fait. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais. Oh, c'est dur. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Mais on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, le mode. T'es sérieux? Un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. C'est toujours urgent, j'imagine. Félicitations. Là, je prends parti de l'homme politique, hein, bien sûr. J'ai réfléchi un petit peu hier soir, tout ce qui est star, etc. Le poids qu'ils ont sur les épaules. Monsieur le maire, je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez? D'accord. Vous regardez souffrir. Ah, ça vibre! Il va se passer quelque chose! Oh là! C'était Martin Lee? Ah putain, non! Sacrifice! Sens du devoir! Vache, je m'en suis pris une belle aussi, apparemment. Mais genre à quoi? À 40 cm de moi? Je vais pas être en forme. Pour pouvoir aller travailler. Tant pis. Bon, j'ai maladie. Qui c'est qui me traîne? Qui c'est qui me traîne? Ah non, c'est pas moi. Ah, c'est Miles. Ok. Miles, tu vas bien? Nice. Dans la tête de Miles. Ce qui devrait... éveiller quelques soupçons vis-à-vis de ce personnage. Miles Morales. Allez pas voir, hein. Oh, j'ai pris cher. Ah, tu vois que t'es amoureuse. Boum. Ah, tu fais genre t'es pas intéressé, mais en fait, en fond, hein... Bref, non, on va pas être con comme ça, hein. Mais en vrai, il arrive ça à n'importe qui vous connaissez, vous réagissez comme ça. Tout va bien, je suis là. Tu m'entends, mon chéri? J'ai la tête dans le cul, mais je suis là. Reste ici. Je vais aller chercher ton père. Ouh lolo. Il y a des professionnels pour ça, hein. Allez, parle-moi, je t'en prie. C'est rigolo parce que leur énergie ne fait pas est une explosion mais n'a pas du tout les propriétés d'une flamme, hein. On n'a pas de brûlure, regardez sur le corps ni rien. On a des égratignures. Et c'est presque dommage parce que c'est ce que j'aurais aimé voir sur Parker. Je peux pas passer mon temps par-dessus, d'accord. C'est-à-dire que lui s'est pris un choc à mon avis beaucoup plus violent. Et étant Spider-Man, il a survécu. Et donc on aurait pu voir par exemple sur la base de fringues, comment dire, un peu plus endommagé, qu'il avait pris un choc plus important et que pourtant il était encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, cette position.
Ça va devenir une habitude, t'inquiète pas. Ah. Ça s'appelle une sortie selon moi, ça. Bon bah j'ai pas payé mon café, mais je sors quand même. Hein. Ça, ça s'appelle une rampe, ça. Oh là. Je ne suis pas Spider-Man, mais je force comme je peux. Voilà. Aïe. Ah bah mais j'ai tellement forcé que c'est le truc à casser. Et en vrai, ça, on est à deux doigts d'être plus mortel sur ce genre de dégâts en fait. Parce qu'en fait, le fait qu'on soulève et qu'on relâche, ça fait comme une deuxième chute. Enfin bon. Je suis encore plus fort parce que j'ai un bras de levier. Est-ce que ça va? Ça va, petit. Tu vas bien? Oui. Et toi, est-ce que ça va? Je vais bien. Ça va. T'es sûr que ça va? Oui. Bon. Ça va aller. On va aller chercher le héros. Bon, écoute. Je dois retrouver papa, d'accord? Non. Papa. Non. Ouais, tiens, qu'est-ce que je disais que ça semblait une rampe, hein. Hop là. Allez, je t'obéis pas, hein. Je vais le trouver. Ah non, elle est là. Je croyais qu'elle s'était téléportée. Point, point, point. Point, point, point. Point, point, point. Bye, t'en vis. Je le sais. Oh, 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 oh. Il était juste là. Qu'est-ce que... Ah ouais, ça continue encore et encore, ce n'est que le début d'ac... Oh, pourquoi t'y vas? Ça tiroille de partout. Non mais genre, tu me vois pas. Tu crois aller où comme ça? Ah. Par là. Ah, d'accord, ils hésitent pas vraiment en fait, c'est n'importe qui voit vivre... Bah c'est ça, n'importe qui le voit de vivant, c'est get wrecked et puis c'est tout. J'ai eu des coups, il l'espace un instant hein, quand même. Hein. Wouh. Hein, ils s'attendent à ce qu'il y ait speed en... T'es un rat, ça? Pas pour l'instant. Je dois trouver un moyen de les contourner. Ok. Ouais, tu te tournes, toi, là-bas. Vous êtes bigle! Genre sérieusement bigle! C'est peut-être parce que vous avez les yeux bridés! Non, c'était raciste. Ok, très bien, bon. Bon, c'était une blague, hein. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Je dois l'aider. J'aimerais que tu t'en ailles, merci. Je suis là, papa. Salut, toi! T'es déjà prêt à un coup sur la nuque? Raté, merde. Aïe. Ça va faire mal. Nous devons partir, tout de suite. Martin Lee. T'as de beaux yeux, tu sais. Papa. Papa. C'est peut-être ça en fait qu'il faut voir, c'est le foire de voir que le corps a été complètement endommagé. Ah non, même pas.
Ah si, on peut le voir quand même un petit peu. Papa. Papa. Papa, non. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, allez. Réveille-toi. Moment triste. Bon, bon. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Non, il n'y en a pas. Ok, très bien. Au top pour moi. Bon, bon, bon. Ah, il y a Mary Jane et Pete. Et c'est vrai qu'ils étaient dans l'explosion, donc bon, ça peut rapprocher un peu, si on peut dire ça comme ça. Toutes mes condoléances. Ah, j'imagine qu'on va avoir une scène sur la tombe de... Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai? Où la douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'ai essayé seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Raté. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de raison. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Oh, c'est un type malin. On le voit bien depuis le départ que c'est un quelqu'un d'intelligent, du coup il va réussir à surmonter ça, mais bon. Du coup, ça va être de trouver la bonne manière. C'est long. Ah, voilà. Ah ouais, carrément, tu t'es changé juste à côté du cimetière, t'as pas peur. Genre, le job n'attend pas. Level up. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Ah, c'est intéressant ça par contre. Le fait qu'il lui faille quelques tours. Ah, il en faut 2 points, d'accord, ok, très bien. C'est quoi ça? Ah oui, frappe au sol, dernière chance, ouais. Voilà. Ah, ça c'est intéressant. Ça je prends. On a de nouvelles tenues. C'est vrai? Ah non, des nouveaux pouvoirs. Oh. Genre ça, c'est augmente la quantité de revenus, d'accord. Ah, intéressant ça aussi. Ok. Très bien. Au niveau des gadgets, j'imagine que c'est surtout des nouveaux niveaux, voilà. Oh nice, j'ai absolument de quoi le faire ce truc là, et c'est génial. Très bien. Bon bah, on va reprendre. On avait dit des tourelles. Ah bah, très bien. Je suis désolé, Jeff. Ça y est, je peux grimper. Je croyais que j'avais pas de réseau. Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Très bien. Des preuves tangibles. Super. Moi, je croyais personnellement que je n'avais pas de réseau. Quelqu'un qui a merdé, et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police, ils ont des pistes sur lui? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache?
Possible. On sait qu'il n'est pas au Fist. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. C'est pas faux. Elle a entièrement raison. Allez, salut les mecs! Oh, un autographe, ouais, pas de soucis. Attends, je descends, deux secondes, je regarde tout autour de moi. À 360, ce qui est assez bizarre, on a vu faire ça que dans l'exorciste à la base. Hein. Promis, j'ai pas vomir du truc fluo partout. Salut, non mais... Les mecs j'ai... Non, c'est parce qu'il pleut et vous avez glissé, on va dire ça comme ça. J'ai une quête secondaire par contre par ici. Bonjour. Spider Sozy. Y'a un problème ? Non, je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé ma fille de ces voyous. J'ai fait 5 ans ? À l'instant. Occupé comme vous êtes, tout doit se mélanger, hein. Je n'ai pas un Alzheimer. Je peux dire ça au téléphone. Ah oui, pardon. Eh ben, de rien. Content que votre fille aille bien. Bon, je me souviens pas du tout avoir été là-bas. Je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe. Ok, chelou. T'as déclenché la quête en plus, donc je sais pas si je vais pouvoir atteindre la nouvelle tour. On a un sac juste ici. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Pardon, c'est cette touche là. Non bah non. Bien ça pourtant, j'ai appuyé sur la bonne touche. Spidey Squad. C'est quoi ça? Spidey Squad, mon seul et unique fan club. Quand Jameson s'en prend à moi, je me rappelle que eux sont de mon côté. J'avais complètement zappé cette histoire de Spidey Squad. Mais bon. Allez, grimpe. Non, tu veux pas grimper? Oula. Ouais, non, ce serait peut-être plus ça, en fait, Central Park, que ça. Ouais, c'est ça. Du con. Ça me semble beaucoup plus long, du coup. Très bien. Bon, on va aller le faire. Ah, vous quittez la mission. Voilà, je m'en doutais. Bon, bah, on va pas aller le faire, finalement. Ah, putain, des arbres à la con! C'est mon seul point faible, les endroits où il n'y a pas d'immeubles. Heureusement, le monde est entièrement recouvert d'immeubles. Il y a un truc à prendre en photo, donc je vais pas me gêner. Oh. J'ai non cadré. Intrigant. Non, ça a l'air d'être bien ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Étrange. Point. Le bar sans nom. Étrange. Tu veux voir un truc génial? Très bien. Bang. Voilà. Je peux difficilement faire plus génial. Voilà le cinéma.
et la scène du crime. Alors, cinéma. Ressemble à ça. Scène de crime, ça ressemble à ça. Bonjour. C'est bon, toujours en vie. Au moins, on n'a pas affaire à un justicier meurtrier. Déjà ça. Déjà ça. Monsieur l'agent. Ah, c'est la dame qui a été sauvée, j'imagine. Désolé, bonjour. J'arrive après la bataille. Merci de l'avoir protégé, Spider-Man. T'as rien fait. Déjà de retour. Je croyais que vous vous occupiez de l'incendie. Oui. Et le mec a le même costume. C'était de quel côté déjà? Tout à l'heure, vous êtes parti par là, vers le sud. Merci, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Quelqu'un se fait passer pour moi. C'est peut-être un coup du caméléon. Il faut que je le retrouve. Ah, le caméléon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu une de ces histoires avec le caméléon. Oh, la vache. Ça sent le brûlé. Il y avait bien un incendie. Voyons voir. Voilà le bâtiment brûlé. L'incendie a été éteint rapidement. Qui se passe? Vous bonjour. Êtes revenu. Je pourrais jamais assez vous remercier d'avoir sauvé mon amie des flammes. J'ai cru qu'elle était perdue. À votre mais y a pas de raison, j'ai rien fait. Je suis content que tout le monde aille bien, mais la fumée m'a embrouillé. Vous pouvez me dire de quel côté je suis parti? Désolé, j'aidais mon amie. Je crois que vous êtes remonté. Merci. Saluez votre amie pour moi. Remonté? Genre... Ce mystérieux pseudo Spider-Man aide les gens, mais il prend trop de risques. Je dois le retrouver. Je me demande si l'autre moi a laissé des traces. Spidey, allons demander. C'est quoi l'extincteur? Un extincteur? Je me demande où il a laissé. Apparemment, l'incendie est dû à un court-circuit. C'est pas criminel. Bon, en tout cas, le mec crée pas des problèmes pour mieux les corriger ensuite. Il a utilisé l'escalier de secours. Il a pas dû réussir à copier mes lance-toiles. C'est bon ça. Ah, extincteur. Très bien. Analyse. Ah, on va avoir un mini-jeu d'analyse. Ça faisait longtemps. Il s'est servi de l'extincteur. Quel genre de produit il y avait là-dedans? Oula, on est passé à un niveau supérieur. Ça. Ça. Non. Moins ça. On est bon. Là. Et ici. On est bien. Et enfin. Je suis peut-être dans le caca, mais non, j'ai ça. Très bien. Et enfin, celui-ci. Et on est bon. Le premier était un peu plus compliqué. Et encore. On peut dire que c'est hydrogénophosphate d'ammonium. Standard et facile à détecter. D'accord. Il est couvert d'une substance ignifuge. Si je règle mes lentilles sur sa signature chimique, elle devrait me conduire à Spider-Man Bis. Spider-Man Bis. Pas de pouvoir. Autrement dit, il est complètement suicidaire. Non, il est inspiré, je dirais. Hop là. Ouh. On dirait que cet homme vient de se battre. Il sait peut-être quelque chose. Salut! C'est bon là, lâche-moi! Je t'ai dit tout ce que je savais. Le deal a... Et il a intérêt à avoir un costume convaincant parce que okay, le mien est vraiment de haute qualité. J'espère qu'il est pas trop tard. Oh oh. Apparemment il s'en sort. Hop là. Eh ben, mon double a l'air plutôt doué. Confirme. Oh, mais en vie. Il a laissé la drogue. Apparemment, ses intentions sont bonnes. La police s'occupera du ménage. Oula, ta contrefaçon a dû descendre par l'autre escalier de secours. Ma contrefaçon? Il est plutôt pas mal, hein, respecte-le un peu. Non, c'est un parapluie, je croyais que c'était quelqu'un qui courait. Très bien. C'est lui. Ouais. Oh non, mais arrêtez, le costume, mon costume est bien mieux. Enfin, moi, quoi. Oh, c'est bizarre. À votre service, citoyen. Ah, excusez-moi, le devoir m'appelle. Mais je parle pas du tout comme ça. Enfin, personne parle comme ça, d'ailleurs. Relâche-le. Compte là-dessus. Monsieur Fiske sera encore plus généreux quand on lui apportera ta tête. C'est rigolo, la mise en scène en courant comme ça, ça me fait beaucoup penser au jeu que j'avais sur... pardon, à Spider-Man 2. Il est temps de rééquilibrer les choses. Oula. Hop là.
Salut. Allez, on sera pas trop de deux Spider-Man. Ça te dérange pas? Je m'en occupe, va-t'en. Alors que je peux enfin faire équipe avec le vrai Spider-Man. Pas question. Tu te débrouilles pas mal. Raté. Saigne dojo de Chicara. Je voulais seulement aider en soutenir la légende. Ouais, mais en t'habillant comme moi, raté. Tu es de mes ennemis. Et crois-moi, j'en ai des tas. Raté. Attention, alors je m'occupe de ceux qui sont armés. Raté. Hop là. Ouais, tu as un petit peu de toile quand même. Peut-être pas mal. Oula. Hop là, reste là. Oula. T'en sors? Hop là, je sais pas si t'en sors, mais en tout cas, toi t'es KO. Hop là. Où sont les autres? Très bien. T'as pas essayé de me frapper là par hasard? Hop là, toi tu la bouffes celle-là par contre, hein. Ah, raté. Si tu veux. Reste pas scotché. Y'a un refuge de fist pas loin. Je suis sûr qu'ils apprécieraient de recevoir des cours de self-défense. Bonne idée. Pour être franc, je vais réaliser les inconvénients du côté. Hop là. T'as eu le droit à un aperçu de ce qu'il y a entre mes cuisses. C'est dire la chance que tu as eue. Hop là. Aïe, et oh. Le respect dans tout ça. Hop là. Raté. Je sais pas si je l'ai eu, mais... Non, apparemment non. Écoute, Oh, c'est bon ça. Raté. Ah, c'est pas suffisant pour les entoiler complètement par contre ce petit mode de truc. Vous savez, le fait de pouvoir Ok, bon. Nice. Par contre, t'attaques les gens au sol, c'est pas très propre. T'es de ma gueule là. Laisse-toi. Je m'occupe d'eux. Je vais pas me faire prier. Ah, j'avais pas le bon outil. Raté. Ah. J'ai un peu de mal avec le fait de... Non, regarde, reste que... Ah. Raté. J'ai pas les bonnes... Ah non, je devais être à court de toile. Hop là. Oh mais toi, pourquoi t'es pas entoilé? Voilà. Il en reste encore? Non, c'est bon. Oh, t'es moche avec le verre sur toi. Comment vous faites ça? Au coup par coup? Écoute, c'est bien de vouloir aider les autres. Mais si tu continues comme ça, tu vas te faire tuer. La zipette ouais, dans le dos. J'ai vu ça. Pas de soucis, je raccroche la tenue. Y'a qu'un seul Spider-Man. Super. Et puis, t'as vraiment pas besoin de costume pour être un héros. Eh, hey, c'est un bon slogan, ça. Je m'en souviendrai. Bon, il était cool. Faut reconnaître qu'il était cool. Ah ouais, c'était censé être un truc de Fisk. Ok, très bien. Je vais quand même aller là avant. En plus, j'ai une quête secondaire à aller prendre. En tout cas, à commencer sur place. Ah. Je me trompe, ouais. C'est ce qui me semblait. Bon, on va aller la chercher vu que ça fait deux fois que je me plante dedans. Oh, dis donc, c'est dur. Ah, je voulais essayer de voir si je pouvais m'arrêter dessus, mais non. Ok, allons-y. Nice. On est bon. Ah, il n'y en a que deux dans Central Park. Nice. On va bientôt avoir débloqué toute la carte en plus. On se rapproche petit à petit du 100%, chers amis. C'est ça qui est bon. Je rappelle une fois de plus qu'on vise le 100% dans cette série. On n'est pas des petites joueuses. Oh, c'était sexiste. On n'est pas des petits joueurs. Oh, c'était sexiste aussi. On n'est pas des petits. C'était injurieux envers les petits.
Bon, je suis pas très grand, donc ça devrait passer. Ah là là. Mais en vrai, j'espère que ce jeu, par son approche avec MJ, aura attiré un petit peu le regard des gens pour ce détail. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens récemment qui étaient déçus par le fait que on n'ait pas eu le droit à une Mary Jane qui soit mordue à un moment du jeu. Je vous expliquerai quand ça arrivera. Je trouvais ça un petit peu de trop, honnêtement. Principalement parce qu'on a vu Miles dans le jeu. Et il fallait pas que ça se rapproche de trop, à mon avis, du film qui est sorti au ciné il y a quelques semaines. Ah, j'ai pas le droit au... à l'accélération. Hop là. Moi je vais aller ici. Crac. Oula. Ah putain, j'ai l'impression d'entendre comment il s'appelle. Jake Peralta. À la voix. Ça fait très plaisir d'ailleurs. Ok, bon, une tour de plus. Bon. Ok. À toutes les unités, nous avons une prise d'otage sur un bus de la ville. Signalement à East Harlem. Sur un bus de la ville ? C'est ultra grave ! Ok. Eh ben dis donc. Ça en fait des tours d'activer. Oh, le raft. J'avais pas vu. Photo. Bon, très bien. Il reste quoi comme tour? Il en reste plus qu'une. Il y a plein de quêtes secondaires à aller prendre par contre, mais on va aller chercher la dernière tour pour la forme. Hop, allez. Et non, je commence à me dire si t'allais utiliser ta toile. Ah, c'est parti. J'avais pas vu qu'il y avait un pigeon dans le coin. On est en train de préparer un nouvel article sur Jefferson Davis. Et du coup, je me demandais, comment va ton fils, Miles? Pas trop bien. J'ai connu ça moi aussi. On vient obsédé par le deuil. Il a besoin d'un truc à faire en dehors de l'école. Un job à mi-temps, peut-être ? Hop là ! Pas une mauvaise idée, ça. Mais il faut que ce soit le bon job. Un truc dans lequel il se sent utile. Ah, il y a Black Cat qui est dans le coin sur un toit. Tu viens de me décrire le fils, en fait. MJ, c'est parfait. Je vais en parler à ton père. Bon, elle va pas dire non. Black Cat a l'air de bien s'en sortir. Off. J'ai vu. Pauvre Spidey. J'ai vu l'image. Je sais que j'étais déçu quand j'ai replongé, mais c'était dommage de gâcher un tel talent. On dirait qu'il vend des vins d'exception ici. Elle se diversifie. Oh, c'est une femme de goût, c'est tout. C'est juste une femme de goût, calme-toi. On peut aimer le bon vin, non? Non? Bon, hopé. Faut pas aimer le bon vin, apparemment, selon Spidey. Appel à toutes les patrouilles. Un camion transportant un engin explosif a pris la fuite. Ah là là, le job n'attend pas. Allez, tu sors. Tu sors aussi. Ah, là il fallait que j'esquive avec le bouton. Non, il fallait juste que j'attaque en premier. On va bien voir. Ouais, c'est ça. D'accord. Je pensais pas que j'allais arrêter le camion comme ça. Bon, dommage que je me sois... faire exploser la bombe en l'air. Oh. Oh.
Je parie à 10 contre 1 qu'ils avaient même pas leur permis. Il a disparu. Oh le pauvre. Je l'ai fait péter, je pensais pas que ça allait être comme ça. Bon, c'était une première, m'en voulez pas. Joli. Dans le livre. Manhattan Museum of Contemporary Art, d'accord. Vous connaissez pas, vous voyez. Voilà, on va enlever ça. Déjà que ça va être compliqué d'arriver là-dedans. Hop là, très bien. Je crois que c'est la dernière tour, les amis. On est bon. Oh. J'ai rien pour avoir découvert toute la map, forcément. Une quête secondaire là-bas. Truc de fisc là-bas. Pas bien. Un truc juste ici. On va aller voir. Où est-ce que j'ai laissé mon sac à dos? Oh, c'est pas beau ça. Ah. J'ai battu Scatcher juste après avoir acquis mes pouvoirs. J'avais jamais eu autant d'argent avant. Ni même depuis, maintenant que j'y pense. Ah, c'est triste. Attendez, j'ai débloqué une tenue ou un gadget peut-être? Tenue. Oh. Oh, Spider-Punk. Une tristesse. C'est d'une tristesse. Ouais. Oh, il y avait tellement d'autres armures qui étaient... Enfin, armures. Il va y en avoir beaucoup des armures. Mais des costumes qui étaient intéressants. On va aller se faire le dernier petit crime là pour finir. Hop. Le trafic de drogue s'est intensifié depuis que Fisk est là. Salut les mecs. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. Hop là. Aïe. Raté. Par contre, c'est pas bien de viser tes alliés. Hein. C'est pas une bonne idée. Aïe. Ça m'a fait mal, celle-là. Oh la vache. Ils sont vifs et dynamiques pour des gros. Hein. Pardon, hein, mais... Raté. Aïe. Oh la vache. Non, mais lol. J'ai esquivé le coup. J'ai été trop gourmand. J'aurais dû finir avec les gros et balancer des gadgets pour eux. Ah, je suis trop gourmand, les amis. C'est pas bien. Et je reste trop longtemps au sol. Bon, bah tant pis. Le crime, on ne l'aura pas eu. On va aller choper le truc qui est juste à côté, puis on va se réconcilier avec notre capacité à swinguer. Ah, s'il veut bien. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le vieil appareil photo. Ah. Mon premier appareil photo. Je l'avais trouvé sur une brocante. Texture. Ah, cette bonne vieille pellicule. Merci. Effectivement, oui, t'as raison, la pellicule, il y a que ça de vrai, mais bon. Oh, je peux là? Sur le... Oh, nice. Démon armé. Éliminer les démons. Ça. Bon, allez. Cette fois-ci, on se loupe pas. Rentrez chez vos mères en démon, ça dit quasi comment. Plus dangereux que Fisk l'a jamais été. Salut les filles. Les gars, le coup de la destruction de New York, on l'a déjà fait. Aïe, mais bon, c'est dommage. Il a un lance-roquette pour me faire ça, lui. Aïe, mais arrêtez de me frapper, mais... Ok, très bien. Ok, voulez-vous la mettre? Très bien. Non, c'est pas ce que je veux faire. Olé.
Aïe. Eh non mais tu vas arrêter. Ah mais... Ok, ça celle-là j'ai failli me la prendre, j'aurais bien le connaître. Ok, ça c'est pas. Et de 1. Et de 2. J'ai plus d'objets. Aïe. 2-3. Ah bah d'accord, bravo. Mais lui au moins, il aimait New York. Bon, bah très bien. On dirait qu'ils veulent simplement détruire la ville. C'est de ça qu'ils veulent, hein, tout simplement. Bon, 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 j'ai rien pour m'évader, donc du coup, on va se laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop! Non, pas Central Park! On est bien ici. Non, tu veux pas? Tu veux pas te mettre joliment à bord? Non, tu veux pas? Écoute. Et là, tu veux bien? Voilà! Ah voilà, c'est pas trop mal. Salut! Ah!